Nous allons étudier l'anatomie des glandes génitales masculines, ou bien les annexes. Alors, pour étudier ce cours, on va le subdiviser en trois petits sous-chapitres. En premier, on va procéder à l'étude de l'anatomie de la prostate. Après, on va étudier l'anatomie des vésicules séminales. Puis enfin, l'anatomie des glandes bulbo-urétrales de Cooper. On va commencer par l'anatomie de la prostate. Pour cela, on va adopter le plan suivant. On va commencer par une petite introduction, puis on va voir les configurations externes de la prostate, puis on va voir la loge prostatique, puis la structure interne de la prostate, après ses rapports intrinsèques, puis ses rapports extrinsèques par rapport aux organes de voisinage. On va voir après la vascularisation, innervation et drainage lymphatique. La prostate est une glande exocrine impaire et médiane. Elle est située au-dessous de la vessie. Elle entoure la partie initiale de l'urètre. Il a une grande importance physiopathologique. Ses sécrétions constituent la majeure partie du plasma séminal. Ainsi, ils permettent de réduire l'acidité des sécrétions vaginales. Son atteinte compromet la fertilité et l'éjaculation et la miction. Il peut être siège de pathologies infectieuses, tumorales bénignes ou malignes. Ainsi qu'il peut être exploré à l'examen physique, surtout via le toucher rectal. On va voir la configuration externe de la prostate. On va commencer par la situation de la prostate. Alors, la prostate est située dans la partie antérieure de la cavité pelvienne, située entre la symphyse pubienne en avant, le rectum pelvien en arrière, puis la vessie en haut, l'aponévrose périnéale en bas et l'entonnoir du muscle releveur de l'anus latéralement de chaque côté de la prostate. Pour la forme et les dimensions de la prostate a une forme conique. Un petit cône aplati à sommet qui est inférieur. Il a un axe oblique en bas et en avant. On lui décrit quatre faces, une base et un sommet. Une face antérieure, puis une face postérieure qui est divisée en deux lobes par un sillon médian et vertical. Il peut être exploré par le toucher rectal. Deux faces qui sont latérales, ces deux faces sont convexes. Et puis une base qui est supérieure, divisée en deux segments antérieurs et postérieurs, et puis un sommet inférieur. La prostate a une consistance qui est ferme et régulière. Le toucher rectal permet d'apprécier la consistance de la prostate. Notamment, elle peut devenir dure et irrégulière dans les cancers de la prostate. Elle a une coloration gris-blanchâtre. Elle mesure chez l'adulte 30 mm de hauteur. 40 mm de largeur et une épaisseur de 20 mm. Il pèse à peu près 20 à 25 grammes. Pour les moyens de fixité de la prostate est particulièrement fixe, maintenue en place grâce à l'adhérence avec la base de la vessie, avec la traversée de l'urètre et des voies spermatiques, c'est-à-dire des vésicules séminales et des conduits différents,
avec aussi les connexions avec les parois de sa loge. Pour la loge prostatique, elle est formée par des feuillets en provenance des aponévroses de la région pelvienne. En avant, la loge est formée par la lame préprostatique et par le ligament pubo-vésical qui tient du pubis ou bien de la symphyse pubienne jusqu'à la partie antéro-inférieure de la vessie. En arrière, par la ponévrose prostato-péritonéale de Denonvillier et latéralement par les lames sacro-recto-génito-pubiennes. En bas, la loge est formée par la ponévrose périnéale moyenne ainsi que l'entonnoir des muscles releveurs de l'anus. En haut se trouve un petit feuillet mince intervésico-prostatique. Pour la structure interne de la prostate, elle est formée par une capsule conjonctive qui entoure un stroma fibromusculaire et des lobes glandulaires. Pour le stroma fibromusculaire de la prostate, elle est formée de fibres musculaires lisses et du tissu conjonctif. À partir de ce stroma, il y a émission des cloisons radiaires ou bien des septum prostatiques qui vont isoler des lobes. Pour les lobes glandulaires, ils sont 30 à 40 glandes prostatiques qui sont disposées en trois lobes. En premier, les lobes latéraux qui sont volumineux et qui entourent les canaux éjaculateurs et l'urètre. Puis le lobe médian ou le lobe préspermatique qui est situé entre l'urètre et les canaux éjaculateurs. Pour la systématisation de la prostate est traversée par l'urètre et les voies spermatiques, ce qui permet de la systématiser en trois segments. On distingue une prostate ventrale ou bien lisse qui est située en avant de l'urètre, une prostate crâniale entre l'urètre et au-dessus des conduits éjaculateurs, et puis une prostate caudale entre l'urètre et au-dessous des canaux éjaculateurs, en caudale et en dorsale. L'adénome prostatique peut se développer au dépens de la prostate crâniale, mais le cancer de la prostate se développe à partir de la portion caudale. Pour les rapports intrinsèques de la prostate, la prostate est traversée par de nombreux conduits. L'urètre prostatique traverse la prostate de haut en bas et de façon verticale. À son centre se trouve une dilatation qu'on appelle le sinus prostatique. Au niveau de sa paroi postérieure se trouve un relief qu'on appelle le verumontanum ou le colliculus séminal. Au niveau du sinus prostatique, sa bouche, l'utricule prostatique, qui est une petite cavité profonde de 3 mm, creusée au niveau du tissu prostatique entre les deux canaux éjaculateurs. En deuxième lieu, sa bouche, les canaux éjaculateurs, en nombre de deux, un à gauche et un à droite, résultant de la réunion du canal déférent et du col de la vésicule séminale. Ils ont une forme conique à sommet inférieur et une longueur de 25 mm et un trajet oblique en bas et en avant. Et se terminent de part et d'autre de l'orifice utriculaire au niveau du corps du verumontanum.
En troisième, ça bouche les glandes prostatiques. Au niveau de l'extrémité supérieure du verumontanum, il y a une prolongation par ce qu'on appelle les freins du verru. Au niveau de l'extrémité inférieure, le verumontanum se termine en bas par la crête urétrale dans l'urètre membraneux. Pour les rapports extrinsèques de la prostate, en ventrale se trouve la région rétropubienne qui contient le plexus veineux vésical. En arrière se trouve le cap du rectum et l'ampoule rectale. Latéralement se trouvent les pédicules vasculaires génito-vésicaux. En crânial et en ventral se trouve la vessie. En crânial et en dorsal se trouvent les uretères, vésicules séminales et les conduits déférents. En bas se trouve l'urètre qui s'engage dans le plancher pelvien. La loge prostatique est accessible à l'examen clinique par le toucher rectal, qui permet d'apprécier la morphologie de la face postérieure de la prostate en se référant au sillon médian de cette dernière. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de la prostate, les artères de la prostate proviennent de l'artère iliaque interne qui permet de vasculariser les organes du pelvis. En premier, on a les artères vésico-prostatiques qui naissent de l'artère vésicale inférieure. Ils se dirigent vers la base de la prostate près du col vésical, puis le long de l'urètre jusqu'au niveau du colliculus séminal. Ils permettent de vasculariser le col vésical, l'urètre, les conduits éjaculateurs et la portion prostatique adjacente supracolliculaire. En deuxième lieu, on a les branches prostatiques. Proviennent de l'artère vésico-prostatique. Longe la face latérale et postérieure de la prostate avant de la pénétrer. Ils permettent de vasculariser la majeure partie de la prostate, c'est-à-dire toute la portion périphérique et la partie infracolliculaire. En troisième lieu, on a l'artère pudendale interne. Elle provient elle aussi de l'artère iliaque interne. Elle participe à la vascularisation de l'isthme via les artères vésicales antérieures. En quatrième lieu, on a l'artère rectale moyenne et l'artère du conduit déférent. Elles proviennent aussi de l'artère iliaque interne et participe accessoirement à la vascularisation de la prostate. Pour le drainage veineux de la prostate, le drainage veineux de la prostate est assuré par, en premier, les plexus prostatiques qui sont drainés par les veines vésicales et aussi par le plexus rétropubien qui est drainé par les veines pudendales internes. C'est ainsi se forment deux courants veineux qui se jettent dans la veine iliaque interne. Un courant veineux supérieur pour la base de la prostate se draine dans la veine vésicale et un courant inférieur pour les faces latérales se drainent dans la veine pudendale interne, puis les deux courants dans la veine iliaque interne.
pour les nerfs de la prostate. Les nerfs de la prostate proviennent du ganglion hypogastrique. Ces filets constituent sur les faces latérales le plexus prostatique qui donne l'innervation d'origine sympathique. Les nerfs de la prostate proviennent aussi des nerfs viscéraux du plexus sacré qui assurent l'innervation parasympathique de la prostate. Pour les lymphatiques de la prostate, ils se drainent au niveau des lymphonœuds iliaques externes, à droite comme à gauche, puis aussi aux lymphonœuds obturateurs, des deux côtés aussi, à droite et à gauche, et aussi dans les lymphonœuds sacrés et glutéo-inférieurs. Pour la deuxième partie du cours, on va voir l'anatomie des vésicules séminales. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis on va voir la configuration externe des vésicules séminales, puis on va voir les rapports topographiques, puis on va voir leur vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Les vésicules séminales sont deux glandes paires situées en dérivation des conduits spermatiques. Ce sont deux réservoirs en saccule. Ils sont allongés et attachés à la face postérieure de la vessie. Leur rôle, c'est par leur sécrétion, participent à la formation du liquide séminal. Ils constituent aussi le réservoir de spermatozoïdes entre les éjaculations. Pour la configuration externe des vésicules séminales, on va commencer par leur situation. La vésicule séminale est située en dehors du canal déférent, entre la vessie et le rectum. La vésicule séminale est séparée de la face postérieure de la vessie par le passage de l'uretère terminal. Pour leur forme, la vésicule séminale est sous forme d'un sac tortueux. Elle comporte trois segments essentiels: le fond ou le fundus, le corps de la vésicule séminale et le col qui s'unit à l'ampoule différentielle pour former le canal éjaculateur qui s'abouche au niveau de la prostate. Pour ses dimensions, elle mesure 5 à 6 cm de longueur, 15 mm de largeur et 5 mm d'épaisseur. Pour les rapports des vésicules séminales, les faces antérieures sont contre le fundus vésical. Les faces postérieures des vésicules séminales présentent deux parties. Une partie supérieure qui est recouverte du péritoine et séparée du rectum par le cul-de-sac rectovésical. C'est pourquoi les abcès de la vésicule séminale se rompent dans la cavité péritonéale. Une deuxième partie inférieure qui est séparée du rectum par le septum rectovésical. Cette partie inférieure peut être palpée par le toucher rectal lorsqu'elle est pleine. Le bord médial de la vésicule séminale est longé par l'ampoule du conduit déférent. Le bord latéral de la vésicule est en rapport avec le plexus veineux vésical. Le fundus de la vésicule séminale répond
à l'artère terminale. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique des vésicules séminales. La vascularisation artérielle des vésicules séminales provient des artères vésicales inférieures, qui proviennent eux-mêmes de l'artère iliaque interne. Et accessoirement, elles proviennent de l'artère rectale moyenne. Le drainage veineux provient du plexus vésical et prostatique, qui se draine dans la veine iliaque interne. Pour l'innervation des vésicules séminales, elle est assurée par le plexus hypogastrique inférieur. Les lymphatiques proviennent des lymphonœuds iliaques internes, iliaques externes médiaux, des lymphonœuds obturateurs et les lymphonœuds sacraux. Pour la troisième partie du cours, on va voir l'anatomie des glandes bulbo-urétrales de Cooper. Premièrement, les glandes bulbo-urétrales sont deux formations glandulaires arrondies situées de chaque côté du bulbe spongieux. Elles produisent une substance mycoïde riche en glycosaminoglycane qui assure la lubrification des voies génitales. Les glandes bulbo-urétrales de Cooper sont placées de chaque côté et au-dessus du bulbe spongieux. Elles sont entourées du muscle sphincter de l'urètre. Chaque glande est arrondie au lobulé et de coloration jaunâtre. Mesure à peu près 1 cm de diamètre. Son conduit excréteur est long de 3 cm d'environ. Se dirige obliquement en avant, traverse le fascia inférieur du diaphragme urogénital pour s'aboucher dans l'urètre spongieux. C'est une glande tubulo-alvéolaire dont les assignies sont revêtues d'un épithélium cylindrique simple.